Il y a quelques années, j'avais séjourné clandestinement avec des rebelles papous qui luttaient les armes à la main pour l'indépendance de leur terre. Une terre qui était colonisée par l'Indonésie depuis 1969. J'avais rencontré le général Bernard Mawen, le principal chef rebelle de la branche armée du mouvement indépendantiste papou, appelé OPM. À l'époque, Mawen se cachait dans la jungle, proche de la frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Supaya mengambil langkah-langkah untuk diadakan plebisit atau referendum di tanah Papua, karena rakyat di dalam negeri sedang dipaksa oleh Indonesia dan alatnya ABRI agar menolak aspirasi Papua merdeka dan dengan begitu menerima paket otonomi. Ini sekarang dipaksa rakyat Papua Barat untuk ikut program pemerintah yaitu otonomi sasi luas. Tapi dalam hal ini semua rakyat karena di hadapan todongan senjata dan kekerasan mereka tidak begitu banyak berbicara secara demokrasi. Aujourd'hui, 10 ans après ma première rencontre avec Mawen, je retourne sur place, car la situation des réfugiés et des combattants de l'OPM est alarmante. Les rumeurs annoncent que Mawen est traqué par les forces spéciales indonésiennes et qu'il se cacherait dans la jungle qui borde la Fly River. Le général chercherait à rassembler ses hommes dans la petite ville minière de Kyunga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, proche de la frontière avec l'Indonésie. Avec la complicité d'un prêtre français, le père Jacques Gros, nous allons essayer de retrouver le rebelle papou. Quand tu arrivais ici, sur le terrain, j'ai commencé dans les camps officiels, c'est-à-dire les camps patronnés par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU est reconnu par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont réfugiés pour être indépendants, pour être reconnus comme une nation, pour être reconnus dans leur culture, non pas comme asiatiques mais comme mélanésiens, pour être reconnus comme ayant droit, comme n'importe quel peuple, à l'indépendance. Donc, j'ai été accepté. Et d'emblée, ils m'ont introduit dans leurs aspirations. Une des raisons du combat de Mawen provient des mines à ciel ouvert qui saccagent la terre papoue. Située dans les montagnes à 150 km de Kyunga, la mine de cuivre Octedi déverse dans la Fly River ses déchets toxiques. Avant de partir le long du fleuve, le père Jacques Gros voulait nous présenter Karel Apeng, un ancien chef rebelle qui a quitté la branche armée de l'OPM pour créer un mouvement de défense des peuples autochtones et dont le camp est situé face à la mine. Maintenant combien tout le monde chante qu'il faut faire du développement. Ben, mon expérience à moi, c'est que le développement, c'est la destruction des cultures locales et que dans un monde de globalisation, ils vont se retrouver complètement piégés, redevenir plus colonisés qu'avant. Suharto, cette espèce de tyran qui s'en est mis plein les poches, n'avait que ce mot-là à la bouche. Tout était au nom du développement. On coupe la forêt des papous pour le développement. On ne peut pas non plus faire des réserves d'Indiens, mais leur dire, vous êtes incapables d'entrer dans la culture moderne, donc
restez avec vos coutumes, vos plumes et votre étui peignien. La voie, c'est de donner aux populations locales, de leur permettre de décider ce qu'elles ont le désir de faire. Liba hukum PBB tidak mau perang. Tetap kami bekerja dalam program-program dan pengaturan-pengaturan indigenous bahwa kita orang Papua, pribumi Papua itu adalah kita punya hak. Karena hak pribumi adalah kita punya kekayaan dengan emas, minyak bumi dan diamond dan tali dan kayu-kayu. Kita berkaya di dunia. Dan kita harus menentang dan dunia harus mendukung proses. Kita berani untuk menentang dunia dengan kami punya hasil kekayaan. Kita mau harus mendukung semua program. Kita harus selesaikan masalah melalui internasional. Tidak mau perang. Tidak mau perang dengan Indonesia. La mine de cuivre Octedi, ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la mine d'or de Krasberg, au sud-ouest de la Papouasie-Occidentale indonésienne, sont actuellement gérées par des compagnies internationales et considérées comme les plus polluantes au monde. Selon les dernières rumeurs, les nouvelles de Mawen ne sont pas très bonnes. Il serait dans une situation critique et demanderait une évacuation. Nous allons donc descendre la Fly River et nous arrêter dans les camps afin de nous rendre compte de la situation et espérer trouver le général vivant. Ce voyage est aussi le dernier périple du père Jacques Gros dans les camps. Sa mission prend fin après 15 ans d'activité pastorale et humanitaire auprès des réfugiés papous. Je ne dis pas que les réfugiés de la Papouasie occidentale ne sont pas tentés de recourir à la violence, mais chaque fois, ils mesurent combien c'est au détriment de leurs frères, au détriment des plus petits. Chaque fois, ils s'aperçoivent que, plutôt que de faire avancer leur cause, ça ne peut faire que rendre plus souffrants les gens de la base. Au bout de 4 heures de navigation, nous arrivons dans le camp de Yot. Mais apparemment, Mawen n'est pas ici. Le camp regroupe une centaine d'habitants, tous originaires d'un petit village qui avait été incendié durant les combats entre indépendantistes et l'armée indonésienne. Yot est situé en territoire Muyu et subit les méfaits de la mine Octedi. Ce qui est le problème de la mine, c'est que le lit de la rivière est de plus en plus haut. Et donc elle s'ensable, la rivière. Sitôt qu'il y a de l'épluie, il y a inondation. Je ne sais pas si vous avez repéré, entre la dernière fois et puis maintenant, vous n'avez pas vu un seul oiseau. Hein. Ils n'ont plus suffisamment d'arbres pour nicher, ils sont bloqués. Alors, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est là-bas. Hein. Ici, vous êtes en Indonésie. Vos passeports, messieurs. Hein. Vous avez pénétré illégalement en Indonésie, c'est sûr, quand même. La disparition de la forêt est aussi une catastrophe pour les réfugiés, car leur principale source de nourriture est le sagoutier. Il y a quelques années, cet arbre abondait tout autour des camps. Aujourd'hui, il faut plusieurs heures de marche à travers la jungle pour trouver les quelques rares sagoutiers encore debout. «
le sagou est une fécule alimentaire extraite de la pulpe du tronc de l'arbre. C'est l'aliment de base des papous. Après avoir coupé l'arbre, il faut creuser le tronc pendant des heures afin d'en récupérer la fibre qui sera ensuite mélangée avec de l'eau et transformée en une pâte compacte. De retour au camp de Yot, nous partageons le sagou, cuisiné sous forme de galette, avec le chef du village, Félix Becerra, un des lieutenants de Bernard Mawen. Kami pengungsi, kami dan OPM. Kami karena tekanan politik, ya, atas perbuatan mereka yang cukup keji, yang tidak manusiawi. Indonesia harus geser keluar dari tanah Papua ini. Semua pekerjaan-pekerjaan dimanapun, semua lapangan-lapangan kerja yang sudah memang bisa terbuka untuk Papua, tapi namun orang dengan lewat kekejaman. Dan mereka sudah cabut hak-hak manusia secara manusia itu. Mereka sudah cabut. Selon les renseignements pris au village de Yot, Général Mawen serait au camp de Memeyop plus au sud. Au bout d'une journée de navigation, nous quittons la Fly River pour entrer dans un lac situé au milieu de la jungle indonésienne. Mais à notre arrivée à Memeyop, un des habitants nous prévient qu'une patrouille indonésienne rôde dans les environs et que Mawen est parti pour le camp de Kaikok plus au nord. Nous restons ici pour la nuit et en profitons pour rencontrer le capitaine Gerardus Makuk, un proche de Mawen. Sebab juga tercantum pada resolusi PBB, pasal ayat juga belum ini, tapi setiap bangsa hak. Hak setiap bangsa itu sudah dicantumkan dalam resolusi PBB. Kita merdeka, bangsa Papua merdeka, transmigrasi, ya itu akan diproses secara hukum. Terutama TNI terhadap bangsa Papua tetap masih melanggar. Hak asasi manusia seperti pembunuhan masih tetap, pemerkosaan terhadap wanita-wanita Papua, pemberian obat-obat terlarang kepada bangsa Papua, menyebar luaskan hingga dengan dasar ini kami Papua itu tidak mau. Jadi sampai hari ini masih terjadi di tanah air. Au petit matin, sous un violent orage, nous reprenons notre route en espérant rencontrer Mawen au camp de Kaikok. Mais vers midi, le passage d'un hélicoptère de l'armée indonésienne nous pousse à nous cacher dans un lac qui longe la Fly River. Puis, en fin d'après-midi, à proximité du camp militaire de Kaikok, nous apercevons une embarcation. Le général Bernard Mawen est à bord.
Bernard, c'est une vieille histoire, une vieille amitié. Les souffrances de Bernard, une partie de sa famille a été trucidée quand il a pris le maquis pour essayer de le faire revenir. Il a fait plusieurs séjours en prison. Lorsque il y a eu une passation de pouvoir, que les anciens sont partis vers la Hollande, c'est à Bernard que le commandement a été confié, au moins pour le sud. Et il est actuellement malade. Lui, il faut qu'il reste. Moi, je vais repartir vers Bornéo pour une nouvelle mission. Ben, Bernard, lui, il n'a pas le choix. Il ne peut pas dire, oh, tiens, je vais aller ailleurs. Et puis, il n'a pas non plus le choix de prendre une retraite et de se dire, je vais rentrer dans une maison de retraite. Hein. C'est un guerrilleros. C'est un gars qui est tellement marqué que il n'y a pas d'autre solution pour lui que de rester dans le maquis. Sebenarnya tak banjiran mau ikut dengan kami, tapi dia terima berita dari épuisé, Mawen nous demande une nuit pour qu'il puisse se reposer. Demain, le père Jagro le ramènera en clandestinité sur Kyunga, où il devra être soigné d'une tuberculose. L'armée de libération nationale Papou compte à peu près 20 000 combattants répartis en deux zones, celle du sud dirigée par Mawen et celle du nord commandée par Mathias Wanda. Ponctuellement, des actions sont menées contre les soldats indonésiens aux abords des mines, mais sans grand succès. Empat puluh tahun lebih. Nah, untuk daerah selatan, setelah tahun 1984, ada pengunduran besar-besaran, sehingga ini sudah bibit-bibitnya. Jadi untuk kami dari para pejuang minta supaya ada dukungan-dukungan politik untuk mempercepatkan penyelesaian masalah Papua Barat. Sudah cukup orang Papua Barat pengorbanan. Sudah hampir 500 ribu lebih. Pelanggaran HAM di tanah Papua cukup berat. Bisa lihat dari laporan-laporan dari Badan HAM Papua, di mana selalu dilaporkan kepada dunia, tapi dunia tidak perhatikan. Inilah. Jadi kami minta supaya ada bantuan-bantuan politik untuk penyelesaian masalah Papua Barat. Dan ini salah satu pos pertahanan di mana kami pertahankan sampai dengan bagaimana ada dukungan-dukungan politik untuk penyelesaian masalah Papua Barat. Oke. Okay. Kalau bisa hiasan dilanjutkan. Baik, kita mulai. Mau turun. Terima kasih banyak atas jaminan keamanan sampai dengan orang datang. Ada jaminan makan dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak. Tega menyetak! Thank you.
la communauté internationale continue d'ignorer le problème de la Papouasie occidentale, le peuple papou risque de disparaître. Mais que faire quand cette même communauté pille les richesses de ce territoire en provoquant une catastrophe humaine et écologique de grande ampleur? Mais cette histoire se déroule au bout du monde et les paroles de la chanson de libération nationale papou ont du mal à se faire entendre.